Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitar Vlog aujourd'hui. Non, bienvenue dans la salle d'entraînement du Guitar Vlog aujourd'hui pour cette vidéo en fait où on va bosser ensemble l'aller-retour comme des super guerriers. Et oui, donc je me suis inspiré de la salle du dragon, Dragon Ball Z, hein, étant un ancien fan, étant toujours aussi fan de Dragon Ball Z. Donc la salle d'entraînement où à l'extérieur il s'est passé une minute pendant qu'à l'intérieur il s'est passé un jour, enfin bon, je me souviens plus du rapport exact. Et aujourd'hui on va se faire l'aller-retour. Donc, alors je vous ai préparé, je crois, une bonne quinzaine d'exercices, ok? Donc ce sont des exercices simples, voilà, on va les bosser lentement parce que nous ce qu'on veut, les gars, vous voulez tous aller vite. Tout le monde veut aller vite, c'est la question qui revient le plus longtemps, etc. Et pour aller vite, il faut faire les choses bien, bien ranger ses mouvements, etc. Et surtout les ancrer dans le subconscient, et c'est pour ça qu'on va bosser lentement aujourd'hui. Le but, c'est pas de faire du shred en exercice, il n'y a pas d'intérêt réellement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir un beau son, des bons mouvements, de pas être crispé, et tout ça, on va le faire ensemble pendant, à travers ces exercices. Donc, pour ce qui est des exercices, donc je vais prendre des fragments de gamme, des positions de gamme que j'ai choisi en fait pour pas qu'il y ait de trop grands écarts pour certains, hein, ok, pour que tout le monde puisse faire la vidéo avec moi. Et à vous après de prendre les exercices que je vous donne et de faire les vôtres avec. Partout sur le manche, dans différentes tonalités, dans différents doigtés. Quand je dis doigté, c'est par exemple l'exercice numéro 1 que je vois là, je fais mi fa sol. D'accord ? Après, vous pouvez faire fa sol la, sol la si, la si do, etc. Dans une autre tonalité, par exemple en, je sais pas moi, en ré bémol majeur, vous ferez fa, sol bémol, la bémol. Ok ? Après, à vous de transposer ça, de créer vos propres exercices. Et alors, ce que je vais essayer de faire dans la vidéo, c'est qu'on va essayer de faire les exercices lentement, mais longtemps, parce que je vous garantis, les gars, je suis sûr que ça va payer. Voilà. Nous, ce qu'on veut pas, c'est de faire du shred caca qui sent pas bon, ok, avec un plein de disto qui bave et tout, pas précis et tout. Nous, ce qu'on veut, c'est faire les choses bien et précisément. Si jamais ça vous intéresse pas, je vous conseille même pas de regarder la suite de la vidéo, ok. Donc, on va partir à 70. Donc, cet exercice est assez simple. Donc, mi fa sol, 5e case, 6e case, 8e case de la corde de si, ok, mi fa sol. Alors, deux choses, déjà les doigts. On va les laisser coller au fur et à mesure sur la corde de si. On va pas faire. D'accord ? Non, nous on fait pas ça, on fait ça. Ok ? Et au niveau de la main droite, on veut le plus petit mouvement possible. Ne faites pas. Non. Ça, c'est un défaut que j'ai chopé quand j'étais plus jeune. J'ai mis du temps à la rectifier. Nous, ce qu'on veut, c'est être le plus proche de la corde possible. Ok ? Le plus petit mouvement possible, le plus proche de la corde, ok ? Parce que ça va faire un meilleur son, les gars. Si quand vous faites ça, vous n'avez pas un bon son, c'est que c'est pas bon, ok ? Et notamment, ce qu'on va s'entraîner à faire, on va faire chaque exercice, on va bien respirer, surtout se détendre. En aucun cas, il faut être crispé. Si jamais vous avez la main tendue et vous forcez sur les muscles pour faire ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et souvent ça se trouve au niveau du pouce. Donc je vous conseille d'aller voir les vidéos qui traitent là-dessus. Donc il y a 6 exercices, je vous les mettrai dans la suggestion, 6 exercices pour améliorer sa technique et des douleurs en fait. C'est un sujet que j'avais fait pour les gens qui avaient mal au pouce, la question revenait souvent. C'est parti, exercice numéro 1, 70 à la noire, en triolet, mesdames et messieurs. 4 et... 4 et on se détend. On essaie d'avoir le plus beau son possible. Thank you.
accentue un peu le battement sur le clic. Allez, changez la nuance. Ah, jouez le moins fort possible. Quand vous faites ça, ça vous oblige à maîtriser votre énergie. Jouez le plus fort possible, mais non, mais sans pour autant que ça sonne, que ça frise. Regardez ça, je vais vous harmoniser à la tierce. Vous gardez la même chose, là je vous harmonise à la tierce, au-dessus. Votre index, il se décolle jamais. Respirez bien, détendez-vous. Respirez par le nez, c'est très important. Je reviens à l'exercice initial. Maintenant, je vous harmonise à la tierce en dessous. Gardez-vous la même chose, comme ça, ça sonne harmonisé. Pour l'exercice numéro 1, et ça c'est bon, là ça bosse, je vous le dis, là ça bosse, là on bosse là, et encore là je le fais pas longtemps, il faudrait que vous puissiez tenir, voilà, comme ça, avec le métronome très longtemps, sans vous fatiguer, sans que vous n'ayez aucune tension, mais par contre ça va vous échauffer les mains, moi là j'ai déjà les mains super chaudes. Alors, autre chose, faites pas ça devant la télé, les gars, vous mettez pas un film et faites pas ça devant la télé, vous avez besoin que votre cerveau il soit aussi dans l'exercice. Ok, on veut pas. Quand vous regardez la télé, en fait, la télé vous donne l'image et le son. Donc votre cerveau, il marche pas quoi. Pendant que vous regardez la télé, votre cerveau, il sert à rien.
clairement pratiquement à rien. Donc je vous conseille de travailler peut-être moins, puisque si jamais vous mettez la télé, ça veut dire que vous vous faites chier. Excusez-moi de parler gros, vulgairement, mais il faut arriver à s'écouter, à sentir les mouvements, à sentir les cordes sous ses doigts, à sentir les sensations. Ne bossez plus devant la télé, je ferai un vlog là-dessus. Alors, deuxième exercice, c'est en fait la même chose, sauf qu'on va faire l'inverse. Et nous, ce qu'on veut pas, c'est ça. Encore une fois, je vous le dis, les gars, ne levez pas vos doigts comme ça. Non, nous, on veut les doigts, ils soient prêts à être employés, puisqu'on va reculer comme ça. Alright? Allez, on se fait ça? C'est parti! 1, 2, 3, 4. Respirez par le nez, n'oubliez pas. Détendez-vous, ne forcez pas sur vos muscles. Pensez à respirer toujours. Les plus petits mouvements possibles, à droite et à gauche. Changez les nuances, amusez-vous comme ça. Essayez d'utiliser le moins de force possible. Harmonise. Tiens, saute dessus. Quinte au-dessus. Alors, ça bosse ou quoi? Voilà. Donc maintenant, on va passer en fait à un exercice en double croche qui est en fait un mélange des deux premiers qu'on a fait.
Donc ça nous fera tout simplement... D'accord ? On descend et on remonte en fait. Outre tous les problèmes liés à chaque main, il faut que les deux... Si vous voulez, il y a trois choses à gérer. La main droite, la main gauche et les deux ensemble. C'est ça qui nous intéresse. Au niveau de la main gauche, on veut pas que les doigts se lèvent, il faut qu'ils se lèvent le moins possible. Ok, comme je vous le disais dans certaines vidéos, comment augmenter sa vitesse, etc. etc., etc. Moi, j'ai les doigts très très difficiles à contrôler, puisqu'en fait, j'ai une petite main, mais mes doigts sont longs en fait. Voilà, donc c'est... alors c'est génial, on peut les écarter, mais en fait, ils ont pas beaucoup de force. Et surtout, ils sont très très durs à contrôler. Après, pour ce qui est de la main droite, il faut vraiment que ce soit un mouvement du poignet, hein, voilà. Donc moi, par exemple, lorsque je fais l'exercice, je m'appuie ici sur la... pour vraiment obliger, en fait, mon poignet, si vous voulez, à faire le boulot. Ça, c'est quand on travaille. Quand on joue, quand on est en concert avec le groupe, les potes, etc., on s'en fout, clairement. D'accord ? Quand vous jouez, vous êtes dans la musique, dans le son, dans le rythme et tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas dans les mouvements, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est travailler... concentré, c'est pour ça que je vous dis de ne pas regarder devant la télé. Travaillez concentré en faisant les bons mouvements lentement quand vous travaillez, pour que lorsque vous jouez, vous ne pensiez plus à ça, que ce soit inclus. Ce qui nous intéresse, c'est graver dans le subconscient les choses bien, correctement. Voilà. Ok, allez, c'est parti, on se fait des doubles croches. C'est parti, exercice numéro 3. 1, 2, 3, 4. N'oubliez pas de respirer bien par le nez. Votre index ne décolle jamais. Les plus petits mouvements possibles. À vous de m'harmoniser maintenant. 12-18 sur la même corde. Ici. À vous. Harmoniser. Respirez bien et fermez les yeux maintenant. Et concentrez-vous vraiment sur le ressenti que vous avez sur les deux mains en fait. Utilisez le moins d'énergie possible.
Right. Les gars, ça bosse là, c'est efficace, là, je le sens, donc moi pour la petite histoire, c'est pas ma technique favorite le shred d'aller-retour parce que j'aime pas trop quand ça sonne mitraillette, je préfère de loin le legato ou le speed picking. Ceci dit, l'aller-retour est très complémentaire du speed picking, puisque j'ai remarqué que quand on bossait l'un, on bosse l'autre en même temps, d'une manière ou d'une autre, voilà. Alors, petit exercice que j'avais pas écrit encore, mais que je vais écrire là. Donc j'ai pensé à celui-là, je vous fais écouter, donc je garde mon index toujours, l'index ne bouge pas dans l'exercice. L'index ne bouge pas, si vous avez des tensions musculaires, c'est que vous respirez pas assez, c'est uniquement ça, ok? Donc là, l'exercice qui n'est pas écrit, mais que je vais écrire à l'instant, là voilà, qui s'affiche, c'est index, petit doigt, majeur, petit doigt. Donc il y a toujours 4. Ça nous fait bosser la solidarité de ces deux doigts en fait, hein, voilà. 1, 2, 3, 4. Respirez bien. Les gars, alors est-ce que ça bosse, est-ce que c'est efficace là, je vous garantis, soyez, si vous faites ça pendant un mois les gars, les progrès seront considérables, voilà, je vous le dis, c'est la bonne méthode, c'est ça, c'est travailler lentement, voilà, lentement avec les plus petits mouvements possibles, on travaille là, on joue pas, voilà, quand vous jouerez,
ça va payer. Quand vous serez en répète et tout, pensez à ce que je vous dis. Si jamais vous trouvez que ça progresse, quand on a fait ça sur le sweeping là, les deux dernières semaines, puisque maintenant j'ai décidé de faire une vidéo comme ça pour le week-end, puisque les gens ont plus le temps de travailler le week-end, ce qui est logique, et je vais faire ça sur un sujet donné, on fera un coup, ce sera ça, peut-être le jeu au doigt, le tapping, on bossera le tapping, on évoluera ensemble les gars. Moi aussi en tant que pédagogue, je dirais pédagogue virtuel, ça payera. Je vous le garantis, c'est comme ça qu'on travaille, c'est on fait les choses bien. Et surtout, ce qu'il faut, c'est que si jamais vous faites la vidéo en entière avec moi, je peux vous garantir qu'à la fin de la vidéo, vous serez zen aussi. Parce que je vous répète sans arrêt de respirer correctement, etc. Et que là, voilà, limite, il faut que vous méditiez en faisant vos exercices. Il faut que vous soyez dans l'exercice aussi, le cerveau, je vous dis, ne vous mettez pas la télé. La vidéo est faite comme support playback, entre guillemets, de votre... c'est fait pour vous coacher. Voilà, c'est fait pour qu'on fasse ça ensemble. Et surtout, soyez concentrés, c'est les deux tiers du boulot, c'est la concentration de l'exercice aussi au niveau du cerveau. Voilà, le cerveau a besoin de progresser aussi dans la concentration et dans la... Enfin bon, voilà quoi. Allez, exercice suivant, en fait celui-là, on va doubler chaque note, c'est assez simple, d'accord? Mais c'est surtout parce que j'ai remarqué que... Ça c'est un exercice qui aide à synchroniser les mains, et si jamais vous voulez aller plus loin, je vous conseille de bosser cet exercice exactement, mais en triolet par exemple. 2, 3, 4... Respirez bien. Là, je vous garantis, croyez-moi sur parole, vous allez être super zen quand vous aurez fait les exercices. Plusieurs choses, si jamais vous faites la vidéo en entière avec moi,
vous allez être déjà fier de vous parce que vous allez avoir l'impression de bien avoir travaillé. Déjà dans des bonnes conditions, c'est-à-dire faire les choses bien. On fait les choses bien. Si jamais vous avez, comme je vous le dis, des tensions musculaires, c'est que vous respirez pas assez, que vous êtes trop crispé, que vous n'avez pas besoin de beaucoup de force à la main gauche pour jouer ça. Et à la main droite, il faut avoir les plus petits mouvements possibles. Ok ? D'accord ? Ok ? Après... Donc vous serez content de vous parce que vous aurez bien travaillé, vous vous sentirez bien psychologiquement, vous direz « Ah, j'ai bien bossé mon aller-retour dans les bonnes conditions comme il faut le faire, je suis pas allé trop vite, j'ai pas fait du caca, j'ai pas regardé la télé en même temps que j'ai fait mes exercices, je les ai fait bien, longtemps, lentement surtout, c'est ça qui nous importe. » Ancrer dans le subconscient les bons mouvements. Parce que les mêmes, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. C'est entre, que ce soit sur internet ou sur les élèves, j'ai toujours les mêmes questions. Et je respire, et j'ai du mal à respirer, et si et ça. C'est tout le monde pareil, les gars. Donc maintenant, il y a ça. Et autre chose là, méditez pendant que vous faites les exercices. Videz votre esprit, etc. Profitez-en pour respirer par le nez, puisque je ne sais plus exactement, dans le nez, il y a des capteurs, genre des capteurs de bien-être, entre guillemets. Quand on respire par le nez, on se sent mieux, etc. Et c'est vrai. Et surtout, voilà, il ne faut pas qu'à la fin de la vidéo, vous soyez fatigué, quoi. Il faut que vous sentiez comme une fatigue d'un footing. Quand on rentre d'un footing, même quand on va au-delà de ses capacités, ce qui m'arrive régulièrement quand je vais courir, c'est d'essayer d'aller toujours, de faire plus de kilomètres, ben je rentre, j'ai des courbatures des fois, etc. Mais je ne suis pas fatigué, si vous voulez, j'ai une sensation de bien-être, on se vide, il faut se désintoxiquer, si vous voulez. C'est un peu le but de du truc. Méditation, en même temps, on fait de la guitare, nous. Voilà. Alors, exercice suivant, on passe sur deux cordes maintenant. Ok, donc l'exercice est assez simple, c'est la gamme de Do en partant de Sol, comme ça. Ok. Et on se fait ça au métronome, encore pareil. 1, 2, 3, 4. Les doigts se décollent le moins possible. Et à la main droite, on fait les plus petits mouvements possibles. Thank you.
Ok les gars, alors ça le fait ou quoi? Vous sentez déjà plus détendu que tout à l'heure? C'est normal. Alors exercice sur deux cordes que Paul Gilbert et beaucoup font, hein, donc en fait je pars du fa dièse, là on est en gamme de sol, hein, voilà par exemple, je pars de fa dièse, sol, la. Ok, c'est parti, en triolet, donc on va être plus lent, 1, 2, 3, 4. Plus petit mouvement possible. Ça en fait, ça nous fait bosser le changement de corde pur. Respirez bien par le nez. Donc même chose, même principe si vous voulez, sauf que en fait on va partir du petit doigt en fait. C'est-à-dire on part de la 7e case ici. D'accord, en fait c'est tout plein d'exercices pour vous faire travailler plein de petits mouvements différents pour que lorsque vous en fait vous soyez en contexte de jeu, vous soyez bloqué par aucun mouvement, enfin du moins vous ayez aucune lacune sur aucun mouvement. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Les gars, exercice numéro donc 9. Voilà, donc fragment de gamme, pas très compliqué, mais le principe nous intéresse. Et pensez qu'en fait, là on joue sur deux cordes adjacentes, par exemple de ré et sol. Mais après, chaque largeur de corde, en fait, chaque diamètre de corde, en fait, ne demande pas la même. Si vous voulez, attaque quelque part, vous comprenez. Plus les cordes sont grosses, plus l'attaque est... Enfin, les cordes sont de différents diamètres, donc les attaques ne sont pas les mêmes, les forces ne sont pas les mêmes exercées. Je me souviens d'Antonio Sanchez, dans sa vidéo, il parle de ça, parce que le fait de s'entraîner au pad, pour les batteurs, c'est moins bien, il vaut mieux s'entraîner sur la batterie, puisque, en fait, les tomes n'ont pas les mêmes rebonds, puisque la tension sur les peaux ne sont pas les mêmes. Allez, c'est parti, exercice donc numéro 9. 1, 2, 3, 4. Direct l'inverse, donc l'exercice numéro 10, 3, 4. Thank you.
Respirez bien par le nez, les gars. Ça bosse. Alors exercice suivant, c'est des exercices extraits de la gamme pentatonique de La mineur que tout le monde connaît. Là, je vous garantis que ça marche, les gars, ça marche, je le sens là. Au niveau de mon aller-retour de mes mouvements, j'ai les mouvements hyper détendus. Ok. Alors, ce qui est pas facile en aller-retour, je trouve, c'est de faire deux notes par corde ou un nombre pair de notes par corde, ok? Donc là, en fait, l'exercice qui suit est fait pour ça, donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, en double croche. Bien par le nez. Les plus petits mouvements possibles, n'oubliez pas, il faut pas que vous soyez fatigué à la fin de la vidéo. Ok, exercice suivant, 3, pardon, 1, 2, 3, 4. Thank you.
Ok les gars, ça bosse ou quoi? Alors, exercice numéro 13, on va essayer de faire du sextolé ensemble maintenant. Alors, je vais voir, attendez, j'ai pas testé l'exercice avant si ce serait trop rapide ou pas. Donc si c'est, on va le faire à ce tempo là, c'est assez lent quand même pour du sextolé. Mais par contre si jamais c'est trop rapide pour vous, mettez, vous pouvez sur YouTube ralentir la vidéo, normalement le son ralentit avec, hein, ok, donc je vous conseille de faire ça, et de refaire la vidéo même en accéléré si vous voulez augmenter les tempos. 1, 2, alors là bon c'est tout bêtement des sextolés, c'est un exercice un peu à l'idimola, sur la gamme de sol majeur, hein, donc... Ok, 1, 2, 3, 4. Yeah les gars, ça bosse quoi, là ça bosse bien. Alors là ce que je vous disais par rapport aux cordes qui changent tout à l'heure, donc l'exercice numéro 14, en fait on va prendre la gamme de Do, 3 notes par corde en partant de Do ici. Et à chaque corde en fait on répète. Ok, en fait ça c'est un exercice que j'ai appris par le biais de John Petrucci, donc avec la vidéo Rock Discipline à l'époque, voilà. Donc là c'est intéressant parce qu'en fait pourquoi? Parce qu'on n'aura jamais le même diamètre de corde, donc en fait, et puis en plus on est en sextolé encore. 1, 2, 3, 4. Thank you.
manga. Alors, est-ce que ça bosse? Est-ce que ça bosse bien? Moi, je pense que oui. Donc, en fait, l'exercice numéro 15, en fait, c'est la gamme, la même gamme qu'on vient de voir, mais brisée. C'est-à-dire, en fait, qu'on fait, à partir de chaque note, on fait 3 notes. D'accord? Je pars de là, je fais 3 notes. Deuxième note, je reviens à chaque fois. Alors ça, je vais le faire en triolet, c'est écrit en sextolet, parce que je voulais pas que, en fait, l'exercice prenne sur l'écran. Enfin, je voulais pouvoir le caser sur l'écran. Donc en triolet, là. Hein? Comme ça, on se repose un peu. On a fait du sextolet avant. Là, on va se reposer un peu. Ok? 4 et... Ok, alors, change de chewing-gum. Excusez-moi les gars. Je me mets à l'aise avec vous. Alors, maintenant, on va faire ce qu'il y a de plus dur quand on fait de l'aller-retour, c'est une note par corde. Ok, donc là, je vous prépare le petit exercice numéro 16. Et après, l'exercice 17 et 18, en fait, c'est extrait d'un morceau qui s'appelle Too Many Notes de Steve Morse, en fait. Ok, donc je vous l'ai écrit sous forme d'exercice. Je pense que... c'est un peu comme un goûter, si vous voulez, vous voyez, c'est un bonbon, quoi. Alors, l'exercice, en fait, numéro 16, c'est la triade de La mineur, comme ça. D'accord? Mais en aller-retour, la semaine dernière, on l'a fait en sweep, et aujourd'hui, on va le faire en aller-retour. 3, 4... Thank you.
Alright? Donc maintenant, exercice 17, donc c'est Too Many Notes, donc c'est un morceau de Steve Morse. Vous allez avoir la tablature qui s'affiche à l'écran, donc je vous montre. Triade de La mineur, tout le tour en aller-retour. Triade en fait de Si diminué, re-triade de La mineur, triade de Sol majeur, et là il y a un petit truc. Triade de Do diminué. Ok, et après on repart. Ok. Ok. Et la deuxième partie, attendez que je m'en souvienne, parce que j'ai appris ça, j'étais adolescent moi. Voilà, pareil, diminué, La mineur, et après Fa majeur. D'accord, donc ça nous fait la deuxième partie. Pardon, désolé, deuxième partie. Fa majeur. Ah ouais, je corrige. Je voulais écrire trop vite. Hop, hop, c'est parti. Enfin, peu importe, ce qui est important, c'est le principe de l'exercice, quoi. Hein. Donc ça, mettez pause hein, pour l'apprendre par cœur. Hein, et on le bosse ensemble après. Allez, c'est parti, je bosse avec vous. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Pardon. Alright. Voilà, pas trop trop difficile, hein. Vous écouterez le morceau, lui il fait à tombeau ouvert si je puis me permettre l'expression. Et là, le plus joli du morceau, je trouve, c'est la partie grave, alors attendez. Décrit ça, donc c'est Do sus 4, Sol majeur, basse de Do, Sol majeur 9, Do majeur, après La mineur, Mi mineur, La sus 4, Mi mineur, Fa majeur, Ré majeur, Sol majeur, Mi majeur, La majeur, et La. Et Sol et on repart sur Do. Alors l'intérêt là c'est qu'en fait ça se passe sur les cordes graves, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 1, 2, 3, 4. Bah dis donc, bien bossé ou quoi? Là, ça fait plus d'une heure que je filme, là. Donc, je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Et les gars, vous avez gagné. Vous avez... Hop. Vous avez gagné l'image. Magnifique œuvre de Salvador Dali, puisque je suis fan de Salvador Dali. Hein. Donc, vous avez gagné une image. J'espère que vous les collectionnez au fur et à mesure. Hein. J'espère que vous allez la gagner plusieurs fois.
Donc attendez, je vais remettre parce que en fait moi ça me sert de. Vous voyez quand je bosse comme ça tout seul, des fois ça me sert à mon cerveau de. Ça sert à mon cerveau à stimuler, puisque bon sinon. Moi j'adore les œuvres de Dali, quoi. J'adore, je suis allé plusieurs fois au musée de Figueras, hein. Voilà, j'adore, je vous raconte ma vie aussi, hein, maintenant des potes. Donc voilà, vous avez bien bossé, moi aussi d'ailleurs, et là vu l'heure, je sens que je me fais engueuler, parce qu'ils doivent m'attendre pour manger là-haut. Les gars, voilà, je suis content, merci si vous êtes arrivés jusque-là. Je vous dis bravo, on a vraiment bien bossé, moi là j'ai les mains bouillantes, d'accord. Et donc j'ai décidé chaque semaine de faire une vidéo comme ça où on bosse ensemble, voilà, on partage un moment, pour vous c'est peut-être moins pénible que de... Et puis moi du coup je vous parle, en fait je vous imagine si vous voulez, puisque je lis vos messages super sympas, je peux pas répondre à tout le monde, je suis vraiment désolé, j'ai déjà pas mal le nez dans mon portable dans la journée, donc puisque je reçois tous vos messages, tiens d'ailleurs voilà. Génial. Je vous vois, donc je pense à vous, même si je connais pas vos visages et tous vos prénoms et tout, mais j'imagine, je pense à vous, quoi, voilà, en faisant les vidéos, j'espère que vous progressez bien grâce au vlog, en tout cas certains. Et écoutez, il y a plein de choses qui arrivent là ces prochaines semaines, de bien bonnard, ça va bien progresser toute cette histoire là. Et puis voilà les gars. Je vous dis à demain pour un autre épisode du vlog. De toute façon, le vlog continue. Hein, voilà, je vous le dis, quoi qu'il se passe, le vlog continuera. Allez, bye, bossez bien. Bravo, vous avez bien bossé plutôt. Ciao.